dans tous nos chemins. La parole de Dieu est tout pour nous. C'est une bénédiction riche. Une encre sûre, la parole. La parole est la lumière de ta vie. La parole. La parole. La parole demeure éternellement. Pas les fleurs et pas les joyaux. Tout ça fait que retenir. Mais la parole purifie. La parole. Frères et sœurs, bonjour. J'en profite de ce cantique du cœur pour rectifier une phrase dans la dernière prédication de Zurich où Frère Frank disait « Tout ce qui est écrit dans les derniers chapitres de l'Apocalypse » et j'ai traduit par « Le mot dernier m'a échappé ». Donc c'est « Tout ce qui est écrit dans les derniers 22 chapitres de l'Apocalypse ». Et je remercie le frère qui me l'a fait remarquer. Je lui en suis très reconnaissant. Donc, pas dans les 22 chapitres de l'Apocalypse, mais dans les derniers 22 chapitres de l'Apocalypse. Je vous remercie. La parole. La parole est la lumière de ta vie. La parole est esprit et vie. La parole demeure éternellement. Elle sauve ceux qui sont perdus. La parole. La parole. Est la lumière de ma vie. La parole. La parole. Demeure éternellement. Un rocher dans tous les temps. Elle te conduira sûrement. Jusqu'à dans l'éternité. La parole. La parole. Est la lumière de ta vie. La parole. La parole. La parole ne passe jamais. La parole. Est la lumière de ta vie. La parole, la parole, elle ne passe jamais. L'appel doux de l'Esprit. Jésus intercède pour moi. Viens à lui. Jésus prie pour moi. Lavé dans le sang de l'agneau. Lavé dans le sang de l'agneau. Lavé pur. Lavé pur, sois pur dans le sang de Jésus. Aujourd'hui encore, son sang a la même puissance. Jésus prie pour toi.
tout est prêt pour toi, est préparé pour toi. Jésus prie pour toi. Lave-vous dans le sang et sois pur. Sois lavé dans le sang et sois pur. Lavé dans le sang, sois pur dans le sang précieux de Jésus. Jésus a bu la coupe amère. Jésus prie pour toi. Alors abandonne ce monde plein de pièges. Jésus intercède pour toi. Lavé dans le sang pur, pur, dans le sang de l'agneau. Lavé dans le sang de l'agneau de Jésus. Jésus lave les vêtements purs. Jésus prie pour toi. Donne-lui ton cœur. Jésus prie pour toi. Lavé dans le sang. Sois pur. Lavé dans le sang de l'agneau. Lavé dans le sang. Dans le sang de l'agneau. Dans le sang de Jésus. Jésus prie pour toi. Viens à lui. Et expérimente sa miséricorde. Jésus prie pour toi. Lavé dans le sang. Sois pur. Dans le sang de Jésus. Jésus t'accorde la vraie joie. Et prie pour toi. Entre dans sa gloire. Lavé, pur, lavé dans le sang de l'agneau. Lavé, pur, lavé dans le sang de l'agneau. Lavé dans le sang de l'agneau. Lavé, pur, lavé dans le sang de l'agneau. Quand je ne connais pas le chemin, toi, tu le connais bien. Cela tranquillise mon âme et me remplit de paix. C'est en vain que je m'inquiéterai et me ferai des soucis et que mon cœur battrait matin et soir d'inquiétude et de peur. Tu connais le chemin. Tu connais le temps. Ton plan est achevé et est préparé. Je te loue
pouvoir, la puissance de ton amour. Je loue la grâce qui m'a apporté le salut. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht. Tu sais à quoi sert ce chemin difficile et les tempêtes, mais tu ordonnes aux tempêtes et tu viens jamais trop tard. Ainsi, c'est pour cette raison que dans la tranquillité, j'attends. Ta parole me déçoit et sans déception. Tu connais le chemin pour moi. Cela me suffit. Tu connais le chemin pour moi. Cela me suffit. Loué et exalté soit notre Seigneur et Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Tu connais le chemin, tu connais le temps, ton plan est achevé et déjà préparé. La parole, le message du salut, ou bien alors l'évangile, est écrit 36 fois dans le Nouveau Testament. Dieu a réellement, avant même la fondation du monde, fixé tout, et cela se passe, s'accomplit selon son saint conseil et volonté, et sa sainte volonté. Que nous vivons, que nous sommes arrivés dans un temps particulier, nous l'avons tous compris, appris, et nous sommes reconnaissants à Dieu pour la parole prophétique, pour tout ce qui a été prédit et annoncé à l'avance. Et notre Seigneur, n'est-ce pas, directement a insisté, quand vous verrez que tout cela arrive, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Nous sommes reconnaissants au Seigneur aussi pour le temps dans lequel nous sommes arrivés, et nous croyons qu'il passera et que de nouveau nous pourrons nous réunir pour écouter la sainte parole de Dieu en cet endroit. Car cela est valable encore, rassemble-moi mon peuple, tous ceux qui ont confirmé l'alliance avec moi par le sacrifice. Dieu a un message pour son peuple dans ce temps, et nous allons rapidement venir en parler. D'abord, des salutations fraternelles dans le monde entier, que ce soit de l'Australie, de Nairobi et de partout de l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, partout, dans toute l'Europe. Nous sommes vraiment de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce que la connexion est possible, et que Dieu puisse bénir tous nos frères qui traduisent dans d'autres langues, et tous les frères qui transmettent online, que Dieu puisse les bénir tous, et tant que nous pouvons l'observer, maintenant, il y a des croyants dans 74 pays qui sont connectés, qui écoutent ce que l'Esprit
dit dans ce temps, à dire dans ce temps. Particulièrement les salutations du docteur Mbie de la République du Congo. Il a appelé et a dit, frère Franck, tous ne peuvent pas écouter de la maison, tous n'ont pas les matériaux, mais Dieu, les appareils, mais Dieu a fait en sorte que l'envoi local, toutes les prédications sont transmises par l'envoi local et tous, par la transmission locale et tous peuvent suivre de la maison. Ensuite, le frère Tati a remis des salutations adressées à nous tous, le frère Baumgartner, le frère Cécile, le frère Nyagi, beaucoup de frères des différents pays ont remis des salutations qui nous les ont adressées et nous les transmettons. Et remercions le Seigneur de ce que nous sommes liés et nous pouvons ainsi écouter la sainte et précieuse parole de Dieu comme dans le dernier cantique nous l'avons entendu. Ton plan est déjà préparé. Tu connais le temps, tu connais le chemin et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que il nous a donné la promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous croyons que notre Seigneur, dans ce temps, est avec nous. Et ça, je le répète encore une fois, nous attendons à ce que cette épidémie aura une fin. Car jusqu'à maintenant, chaque fléau, chaque peste, chaque épidémie ont eu une fin. Et ici aussi, la fin viendra. Et de cette épidémie, et nous pourrons de nouveau nous réunir et nous rassembler sous le coude de la parole de Dieu et écouter. De la même manière, tous les frères et toutes les sœurs dans le monde entier écoutent et l'action de Dieu, l'action finale puissante de Dieu ne sera pas seulement ici, mais elle aura lieu partout, sur toute la terre, au même moment. Nous avons la promesse que le Seigneur ébranlera encore le ciel et la terre et ainsi achèvera sa parole, accomplira sa parole. Et comme la chorale l'a chanté dans le premier cantique, la parole, la parole, la parole. Simplement merveilleux. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et Pierre pouvait dire, ça, c'est la parole que nous vous avons prêchée, que nous vous avons prêchée. Frères et sœurs, bien-aimés, amis, nous pensons à différents événements en arrière, que ce soit à le surnaturel qui ont eu lieu dans la vie et le ministère de Frère Branham. Et nous ne glorifions aucun homme, mais nous ne passons pas non plus à côté de ce que Dieu a promis pour cette époque et fait dans cette époque. Nous croyons ce que les Écritures disent et tel que les Écritures le disent et nous pouvons ainsi avoir part à leur accomplissement. Ce sont les mois particuliers, avril, mai et juin, d'une signification particulière. Cela nous ramène au 11 juin 1933,
Alors que l'ordre surnaturel a été donné, que frère Branham doit apporter le message biblique qui précédera le retour de Christ, comme autrefois Jean-Baptiste. Maintenant, le message biblique doit être apporté en tant que précurseur du retour de Christ. Et maintenant, nous pouvons dire que cela est devenu une réalité. Nous regardons à plus de 55 ans en arrière, dans lesquels ce message glorieux, la parole dans sa forme originale, fut prêchée. Et laissez-moi le dire, le mentionner encore une fois, pendant ces jours, j'ai aussi pensé quelle signification l'appel divin avait pour moi. J'ai réellement ainsi eu la grâce de mettre à la première place Dieu et la parole de Dieu et le mandat durant toutes ces années. Et j'ai un peu réfléchi dans les premières années, dans 15 pays avec la voiture, j'étais en voyage pour prêcher la parole de ville en ville, de pays en pays. Qui de tous ces évangélistes ont voyagé en voiture à Rome, à Paris, à Londres, à Bucarest? Qui est allé en Russie blanche? Qui de tous ces pays? En Sibérie, dans 50 pays, de ville en ville et de pays en pays, pour prêcher l'évangile valable éternellement. Et ensuite vint le temps où on pouvait aller en avion de pays en pays et considérer la parole de Dieu et la prêcher, comme aussi au frère Branham. Et comme aussi frère Branham l'a confirmé, et Dieu a secouru, a ouvert des portes dans plus de 175 pays. J'ai jamais connu quelqu'un en Inde, au Brésil, auparavant, aucune personne en Russie, ou bien en Chine, ou bien quelque part d'autre. Mais Dieu le Seigneur a vraiment lui-même fait en sorte que tout cela soit possible, que le dernier message soit écouté. Et depuis le commencement, nous avons eu l'occasion de saisir cela, cette occasion, et aussi les différentes stations de télévision et les connexions aussi en allemand, en anglais. Dieu a pris soin pour ça, pour que le monde entier puisse écouter et que les élus soient appelés à sortir et dans l'obéissance et dans la foi suivent le Seigneur. Et nous avons derrière nous aussi le 2 avril, ce jour particulier dans ma vie, et on pourrait aller de mois en mois et d'année en année et mentionner toutes ces expériences glorieuses, les répéter et aussi la consécration de ce bâtiment il y a 55 ans d'ici. Dieu a pris soin de tout et par sa grâce, il a béni. Nous regardons malheureusement aussi aux 40 ans passés, d'un côté avec douleur, mais d'un autre côté avec une reconnaissance profonde. En 1980,
79, ce fut l'année d'épreuve, l'année dans laquelle tout l'enfer s'est levé pour détruire l'Église. Mais Dieu, le Seigneur, a accordé sa grâce. Mais dans la dernière année, dans l'année 2019, j'ai eu dans le cœur toujours de nouveau de dire que les 40 ans vont vers leur fin en tant qu'une époque très particulière dans laquelle, donc faisons mention des années, Dieu a accordé sa grâce pour que tous puissent croire au message, à l'appel divin et recevoir la parole et vivre leur préparation. Et tous ceux qui renient le mandat divin et qui s'en moquent, et mes oreilles à l'époque l'ont entendu, à ce monsieur-là, celui qui est en haut au ciel n'a jamais parlé à celui-là. C'est un autre qui a parlé. Si d'ici je pouvais répéter ce que mes oreilles en 1979 ont entendu en tant que blasphème, mais au Seigneur notre Dieu soit la reconnaissance de ce que l'adversaire n'a pas détruire. C'est, il a été seulement manifesté que il y a deux sortes de semences qui existent. Les uns croient, les autres ne le croient pas. Mais nous savons très exactement que frère Branham a dit très clairement, ce n'est pas moi, mais ce message sera précurseur du retour de Christ sur toute la terre. Et frère Branham a été repris à la maison, ça nous le savons tous, sans le message, sans avoir apporté le message dans un seul pays, Son devoir, son mandat était accompli et ce qu'il m'a dit le 12 juin 1958 à Dallas, Texas, et s'est accompli. Il m'a dit, frère Frank, tu retourneras avec ce message en Allemagne. Et ensuite, Dieu lui-même a fait en sorte, a pris soin que cela puisse s'accomplir. Seulement encore mentionné le 10 avril 1966, alors que je vis frère Branham dans le cercueil. Et ensuite, le 11 avril 1966, il y a eu l'ensevelissement et après, je savais, personne n'avait besoin de me le dire. Cela a parlé dans mon cœur. Maintenant, ton temps est venu d'aller de ville en ville pour prêcher la parole et apporter le message divin. Et ça, je l'ai fait consciemment durant toutes ces années. Et au Seigneur, notre Dieu, soit toute la gloire, et je l'ai servi durant toutes ces années, et tous ceux qui sont de Dieu, n'est-ce pas, de tout leur cœur, croiront la parole de Dieu. Ils ne vont rien ajouter et rien retrancher de la parole de Dieu, mais avec ce que Dieu a dit, ils seront en accord total. Nous avons eu le vendredi de Pâques et la Pâque derrière nous, et nous remercions notre Rédempteur pour l'œuvre
accompli de la rédemption sur la croix à Golgotha. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et comme c'est écrit, c'est un évangile éternel, c'est une rédemption éternelle. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Vous pouvez le lire, c'est écrit. Et c'est une rédemption éternelle. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants au Seigneur pour cela, de ce que nous avons la sainte et précieuse parole révélée que nous pouvons prêcher. Et nous pouvons regarder avec reconnaissance en arrière dans toutes ces années où Dieu a accordé sa grâce et a appelé à sortir, préparé et mis à part la vraie Église de Jésus-Christ, l'Église des nouveaux-nés, l'Église qui appartient au Seigneur et qui lui appartient, qui est son appartenance, qui est son corps, qui est la tente d'assignation de Dieu ici sur terre. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, je vais simplement de la parole lire. Et je pensais là à 1 Pierre, le premier chapitre. Les épîtres des apôtres ont été écrites pour que nous puissions les lire et nous approfondir en elles et remercier Dieu pour ce qu'ils ont écrit et ce qu'ils ont témoigné ici dans 1 Pierre, directement au premier chapitre. Nous lisons: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont... Non, c'est le deuxième... Deux Pierres. Simon Pierre, serviteur de Jésus-Christ, à ceux qui sont reçus en partage. Aujourd'hui... Ah oui, c'est la première épître, pardon. Il pourrait mentionner aussi les différentes villes, comme il l'a fait autrefois, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et tel que autrefois, les apôtres ont adressé la parole de Dieu et ses épîtres aux églises dans différentes villes, c'est ainsi qu'aujourd'hui aussi, dans tous les peuples, la parole est adressée à tous les croyants dans le monde entier, à tous ceux qui vivent dans la dispersation, comme il est écrit ici, qui sont étrangers et dispersés. Et c'est ainsi que nous sommes dispersés partout, mais nous pouvons être connectés de toutes les nations vivant ici sur cette terre et écouter. Et c'est à tous que la sainte parole de Dieu est adressée. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. Au verset 2, 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, nous lisons: et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification, dans la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Selon la préscience de Dieu, nous avons été déterminés à être obéissants et à être sanctifiés dans la parole de la vérité et suivre le Seigneur
étant aspergé du sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Le sang est la chose principale. Le sang est le sang de l'Alliance. Et la vie est dans le sang. Et notre Seigneur a laissé sa sainte vie pour nous. Son saint sang, il a versé. Et la sanctification spirituelle divine peut seulement avoir lieu sous le couvercle du sang. Avec nous, pas de propres œuvres, pas une propre sanctification, mais par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que cela puisse vous être accordé toujours en abondance, comme c'est écrit ici. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Bien, mes frères et sœurs, Dieu a encore plus pour nous. Et nous aspirons à ce que tout ce que Dieu a promis et a préparé pour nous puisse, dans notre vie de croyant, par la grâce de Dieu, devenir une réalité divine. Puisse devenir une réalité divine et deviendra aussi une réalité divine. Quand je pense aux derniers mails et aux entretiens dans lesquels, presque sans exception, il a été exprimé quelle faim est dans les croyants qui croient tout ce que Dieu a promis et qui voudraient expérimenter dans la réalité tout ce que Dieu a promis, et nous pouvons tous le dire. Dieu garde et tient et accomplit ce qu'il promet, et toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Dans le troisième verset, nous lisons: loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a nés de nouveau, nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Aussi certain que notre Seigneur est ressuscité des morts et que par cela l'œuvre de la rédemption fut confirmée, a trouvé sa confirmation, et que le diable, l'enfer et la mort étaient vaincus, et que notre Seigneur, dans cette victoire, nous a inclus et pris. Que cela soit accordé à tous, de la même manière de dire amen ici, comme il est écrit ici au verset 3: loué soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu par la grâce de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce de Dieu. Aussi vrai que notre Seigneur et Rédempteur et Sauveur l'a promis, vous qui n'êtes pas mon peuple, vous serez appelés fils du Dieu vivant. Au verset 4, nous lisons: pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Pour toi, pour moi, réservé aux cieux.
Et ici, il est souligné par ces paroles puissantes pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Un héritage. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller. Un héritage éternel et saint. Nous avons été déterminés à cela. Et ensuite, il est dit ici, réservé dans les cieux pour vous, pour toi et pour moi, bien-aimés frères et sœurs dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, que la foi puisse croître. Nous croyons Dieu, nous croyons ce que Dieu dans sa parole a dit. Au verset 5, nous lisons, donc, à vous, qui part, ou bien alors, qui, dans la puissance de Dieu, est gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Ça, ce sont des paroles qui nous vont dans le cœur. Une rédemption parfaite, Dieu l'a fait pour nous. Dieu a fait tout pour nous par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous êtes gardés sous le sang, sous l'aspersion du sang, sous la conduite du Saint-Esprit, dans la parole de la vérité sanctifiée, gardée par la foi pour le salut. Et ce salut aura lieu, comme c'est écrit ici, dans les derniers temps, prêt à être révélé. Nous sommes à 100% arrivés dans les derniers temps, sans entrer dans les détails de ce qui se passe maintenant sur terre. Bien-aimés frères et sœurs, tout est annoncé à l'avance, prédit, dit à l'avance, et nous croyons que le dernier message avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, a atteint les extrémités de la terre et que tous ceux qui ont été déterminés à cela croient, écoutent, croient et par la grâce de Dieu vivent et vivront leur préparation. Il y a une chose qui est certaine, bien-aimés frères et sœurs, le message divin n'a pas été prêché en vain. La plus grande moisson qui aurait pu exister dans une génération sera récoltée de cette génération. Jamais la parole de Dieu dans une génération a été apportée dans le monde entier. Mais dans notre temps, c'est le temps dans lequel toutes choses viennent à leur point culminant. Et Dieu a laissé prédire cela dans sa parole, que l'Évangile, comme un témoignage, sera prêché à tous les peuples et les langues, et ensuite viendra la fin. Et comme le Seigneur l'avait dit à Abraham, en toi seront bénis toutes les nations de la terre. Et le Seigneur prend justement de toutes les nations et appelle de toutes les nations l'épouse de l'agneau, et lors de son retour, ils rencontreront l'époux. Elle rencontrera l'époux et
ainsi il se tournera de nouveau au peuple d'Israël. Tout a été annoncé à l'avance, a été dit à l'avance, prédit, et tout s'accomplira tel que c'est écrit. Ensuite, il est dit ici, au verset 6, c'est là ce qui fait votre choix. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, il y a certaines choses qui doivent arriver, Nous nous souhaiterons, qu'ils ne nous arrivent pas, mais il y a certaines choses qui doivent arriver, comme c'est écrit ici. C'est là ce qui fait votre joie, que le Seigneur, dans les derniers temps, va accomplir toutes choses. Cela fait votre joie, est l'objet de votre joie. L'avez-vous déjà vu? L'avez-vous déjà entendu quelqu'un qui est en train de crier de joie, de remercier et d'apporter la louange au Seigneur plein de joie? Car cela est écrit directement derrière. Donc avant, concernant le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Et c'est là ce qui fait votre choix. Oui, qui de qui cela doit faire la joie? Que ce salut va être révélé dans les derniers temps et que nous prendrons part à ce salut et qu'il va être révélé en nous, par nous. C'est pour cette raison que cela est l'objet de notre foi, de notre joie. Nous remercions Dieu pour cela de tout notre cœur. Et ensuite, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Qui se souhaiterait cela? Aucun homme. Qui voudrait cela? Mais aucun homme. Mais si cela sert à notre bien, et que cela... Même il est écrit ici, que puisqu'il le faut, alors nous pouvons remercier Dieu parce que nous comprenons qu'il le faut et louer le Seigneur de ce qu'il a promis d'être avec nous, même pendant les épreuves que nous devons avoir, puisqu'il le faut. Alors nous remercions le Seigneur de ce qu'il est avec nous et qu'il nous garde dans la foi, par la foi, même si nous passons par des épreuves, par des tribulations, oui, par des calomnies terribles. Nous louons parce que nous avons part à ce que Dieu, pour la dernière époque, a fixé, a prévu. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants au Seigneur, malgré tout. Au verset 7, il est écrit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Ici, il est manifesté. Est-ce que notre foi est vraie, est authentique, est réelle, est authentique, est vraie ou pas? Et c'est dans l'épreuve qu'elle sera éprouvée. Est-ce que nous faisons vraiment confiance à Dieu et nous restons attachés à lui malgré tout et savoir qu'il rendra toutes choses bien telles qu'il a promis? Cela sera prouvé par l'épreuve, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, afin que l'épreuve de votre foi, dans sa véracité, sera plus précieuse que l'or périssable. En allemand, dans sa véracité, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il relit le verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, qui est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu dans sa véracité, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, dont son authenticité. Ici, nous l'avons. Nous attendons tous que le Seigneur revienne. Et nous avons ici particulièrement deux versets concernant ce retour quand le Seigneur se révélera. Nous l'avons lu. Et tel qu'il est écrit,
et que ici est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Est pour résultat louange, gloire et honneur qui aura lieu à la fin du temps de la grâce, l'apparition de Jésus-Christ. Quel évangile! Quelle puissance de Dieu! Qu'est-ce que Dieu peut encore faire de plus que de nous accorder la force, la puissance aussi pendant les épreuves par lesquelles nous devons, c'est une obligation, c'est un impératif, nous devons passer, que nous puissions demeurer persévérants, fermes et savoir à la fin que cela aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Encore le verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Et ensuite, suit la confirmation au verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La fin, c'est que lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, nous serons prêts, nous prendrons part à l'enlèvement. Et c'est de ça qu'il s'agit ici, bien-aimés frères et sœurs. Disons cela au nom du Seigneur. Aussi certain que le mandat surnaturel a été donné et que frère Branham, n'est-ce pas, a apporté le message divin. Tout a été rétabli. Oui, même ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden a été révélé. Et ça, je le dis toujours avec une grande joie. Alors que frère Branham parlait du péché originel, du péché, du premier péché, et c'était pour moi quelque chose de particulier, de nouveau. Mais il pouvait rendre ce témoignage. Le matin, cela a eu lieu avec Ève et le serpent. Et l'après-midi, entre Ève et Adam. Et c'est ainsi que les deux différentes semences ont apparu. Et le soir, vint le Seigneur dans le jardin et a appelé Adam. Et frère Branham disait, l'ange de l'Éternel se tenait cet après-midi dans sa pièce et lui a exactement dit ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons affaire à un envoi divin, à un mandat divin, une commission divine, avec la parole de l'heure qui nous appelle à revenir au commencement, à la parole de Dieu. C'est pour cette raison que frère Branham, toujours de nouveau, a dû faire mention de ce que le péché originel est l'incrédulité. Car le vieux serpent qui a semé ce doute en Ève, en remettant en question ce que Dieu avait dit. Il a semé en remettant en question ce que Dieu avait dit en elle, en Ève. Et ça, je le dis avec un cœur sincère. La même chose en 1979 s'est passée. Satan avait, n'est-ce pas, mis dans le cœur de Ève le doute à la parole de Dieu. Et tout le reste a suivi. Mais au Seigneur soit la reconnaissance, au Seigneur soit la reconnaissance de ce que
ce n'était pas la fin. Le Seigneur a donné la promesse tout de suite que la semence de Dieu, la semence de la femme viendra et brisera la tête du serpent et nous accordera la pleine rédemption. Et il nous l'a aussi accordé par sa grâce. Que toutes ces paroles de la première épître de Pierre nous touchent le cœur et que avec reconnaissance, avec une reconnaissance profonde, nous puissions, n'est-ce pas, venir devant la face de Dieu vraiment partout où maintenant vous vous trouvez, que Dieu puisse accorder sa grâce pour que tous puissent consacrer leur vie au Seigneur. Et tous ceux qui passent par des épreuves difficiles, qu'ils puissent lire ce qui est écrit, même s'il le faut, puisqu'il le faut, alors notre foi par l'épreuve sera éprouvée et notre Seigneur va nous conduire au but. Et tout cela aura pour résultat que nous soyons prêts quand le Seigneur reviendra pour nous prendre, pour prendre les siens auprès de lui bientôt. Oh, comme ce sera merveilleux. Nous entrerons avec cri de joie, nous aussi, là-bas, dans la gloire. Et encore une fois, comme la chorale dans le premier cantique l'a chanté, la parole, ils l'ont insisté. C'est ainsi que nous aussi, nous pouvons avoir la sainte et précieuse parole de Dieu et insister sur la parole de Dieu. Et comme dans le dernier cantique, il fut chanté, Dieu lui connaît le chemin, il connaît le temps, son plan est déjà achevé et préparé. Et nous nous laissons introduire dans ce plan de Dieu. Et nous, nous attendons à ce que tout ce qui se passe et existe maintenant sur terre prendra une fin et que avec la pleine liberté de religion, nous pourrons exercer nos réunions et cela reste valable. Les ordres de Dieu dans sa parole sont au-dessus de tout, de les décisions des gouvernements. Et c'est ainsi que ce qui a été ordonné de la part du Seigneur depuis le commencement, que ce soit le baptême, que ce soit le souper, que ce soit le lavage des pieds, quoi que ce soit comme ordre divin dans la parole de Dieu, aucun État, aucun gouvernement a le pouvoir d'abolir cela. La parole de Dieu demeure éternellement vraie et cela, nous pourrons l'exécuter jusqu'à la fin et remercier le Seigneur pour cela. Que il touche le cœur et conduit le cœur des États, des gouvernements, des autorités, et que très bientôt nous pourrons de nouveau avoir nos réunions comme nous l'avons toujours eu. Résumons encore une fois. Notre Dieu a un plan du salut. Il connaît le chemin, il connaît le temps. Son plan est déjà achevé et est prêt. Encore une fois, cette pensée. Si nous devons passer par des épreuves et par des tribulations, s'il faut que nous passions par des calomnies, par du mépris et tout, s'il faut que cela soit ainsi, il faut. Nous voulons remercier Dieu de tout notre cœur pour cela, car nous avons comme résultat le but devant les yeux et nous savons que notre Seigneur accordera sa grâce pour que nous restons avec les yeux fixés sur le but et que nous allons aussi atteindre le but lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aussi certain que lors de la première venue de Christ, tous ceux qui ont cru au message de Jean-Baptiste ont été conduits au Seigneur comme un peuple bien disposé. C'est ainsi aussi que maintenant, tous ceux qui croient le message divin
expérimenteront leur sortie, appelée à sortir, leur mise à leur séparation, leur préparation. Et le Seigneur, d'une manière merveilleuse, ébranlera le ciel et la terre. Et pas par l'honneur et pas par la puissance, dit le Seigneur, mais par mon esprit, cela aura lieu. Les plus grandes choses et la plus grande action du Saint-Esprit va couronner la fin dans l'Église du Dieu vivant. À lui, notre Seigneur, soit l'honneur dans toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse dans toutes les peuples et les nations et les langues, dans le nom de Jésus-Christ, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble encore. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis dans le monde entier et conduis tous à lire ce texte de 1 Pierre. Dans la prière, parle à chaque cœur, console, fortifie, avertis, exhorte, fais grâce au Dieu, Seigneur. Ensemble, nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit, et nous te remercions dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Come, O soul, come.
Dieu.